tous, c'est Planic. On se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, mais cette fois-ci pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous donner mon avis sur les chars japonais. Donc j'ai mis un petit replay en arrière-plan pour que pendant que je parle vous puissiez profiter d'un petit gameplay. Donc alors déjà premièrement avant que je rentre dans le vif du sujet, cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc je m'explique. Alors la première partie sera basée sur le début des chars japonais, donc jusqu'au tier 3. Je parlerai un petit peu un tout petit peu du tier 4 parce que j'ai débloqué le STA1, oui c'est ça. Et donc je ferai une deuxième vidéo pour vous parler du tier 4 et du tier 5 en mode un petit peu plus complet. Voilà, donc déjà pour commencer, en général je dirais que les chars japonais sont assez similaires aux chars américains. Donc qu'est-ce qui caractérise les chars américains? Ils ont plutôt une bonne mobilité, des canons plutôt moyens dans l'ensemble, hein, même si c'est vrai que en tier 3 ils ont quand même le canon de 76 mm qui est assez efficace. Tant qu'on ne joue pas le M4A3 américain qui est quand même classé en 5.3, le 76 mm est quand même assez puissant comme canon. Après, très bonne mobilité, et au niveau du blindage, c'est plutôt moyen. Il y a très peu de chances vraiment d'encaisser des obus avec les chars américains, sauf si on a un petit peu de chance. Donc, pour les japonais, c'est un petit peu pareil. Leur blindage est plutôt mauvais dans l'ensemble, mais par rapport aux américains, ils ont quand même un petit avantage, c'est que leurs canons sont un petit peu meilleurs pour leur tir. Donc c'est vrai que le calibre est différent, pour les américains on part sur du 76 mm, et pour les japonais on est sur du 75, mais concrètement ils ont quasiment la même puissance de feu, voire même le 75 des japonais un petit peu plus puissant, parce que par rapport à tous les tiers, aussi bien en tier 1, en tier 2 qu'en tier 3, et ben ils ont un meilleur grammage d'explosifs. Donc en fin de compte ils ont beaucoup plus, enfin je dirais pas beaucoup plus, mais un peu plus d'explosifs dans leurs obus, ce qui fait qu'en fin de compte vous avez beaucoup plus de facilité à one shot les chars adverses. Bon après c'est vrai qu'on a souvent 10 secondes de rechargement pour leur canon de 75 mm, ce qui est quand même un peu long pour un 75, mais on a les dégâts derrière et la perforation. Après c'est vrai que les américains ont un petit peu plus de choix au niveau des obus, hein. Ils ont des obus perforants, des obus AP, des obus HE, des obus APCR, alors que sur les japonais on est plus souvent sur deux obus, hein, les obus HE et les obus APCBC. On a juste un char, le OI je crois, en tier 2, qui a les obus hits. Donc voilà, après ça c'était pour la petite comparaison avec les chars américains. Donc les japonais, j'ai vu plusieurs joueurs qui se plaignaient comme quoi ils avaient pas de blindage, qu'on se faisait one shot assez régulièrement. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que les chars sont mauvais. En fin de compte, c'est vrai que c'est leur principal point faible, le blindage. Là-dessus, je peux, y a rien à dire, hein, c'est tout à fait vrai. Leur blindage est totalement en mousse, mais ils se rattrapent bien avec la mobilité et la puissance de leur canon. Donc je répète, c'est bien valable pour le tier 1, 2 et 3, même si c'est vrai qu'en tier 1, leurs chars sont pas top. Mais ça, c'est un petit peu toutes les nations, hein. Les chars de tier 1 sont pas très bons dans l'ensemble, ils ont... Ils font pas trop de dégâts au niveau du canon et ils ont un blindage mauvais. Mais voilà, après comme c'est tous les chars de tier 1, ça s'équilibre. Mais sinon, pour en revenir sur les chars américains de tier 3 ou 2, en tier 3 et 2, ils commencent vraiment à avoir des petits chars qui font la différence, hein, avec leur canon de 75 mm. C'est là où en fait ils commencent à vraiment devenir intéressants. Après, en plus haut tier pour l'instant, là j'ai que le ST1. En plus haut tier pour l'instant, je suis déçu. Alors déjà, il faut savoir que c'est le même point faible que sur les chars américains, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le premier obus que vous avez avec le canon de 90 mm, hein, parce que le STB1 est équipé d'un canon de 90 mm, c'est que vous avez que les AP en premier obus, donc du coup vous êtes d'abord obligé de perdre du temps à rechercher les obus perforants explosifs, hein, les APCBC, pour après devoir rechercher les pièces de réparation. Sachant que les obus AP ont quand même une utilisation assez limite. Et voilà, du coup ça c'est un petit point faible. Et en plus le STB fait clairement pas le poids par rapport à tous les autres chars de son tier. Le blindage est totalement insuffisant. Et surtout ce qui est vraiment problématique, c'est qu'en fin de compte ils ont placé les obus dans la tourelle. Et du coup quand vous prenez un tir dans la tourelle ou un tir de flanc dans la tourelle, peu importe, ou même dans la caisse, vous avez énormément de chances de vous faire one shot. Donc ça c'est aussi un petit souci de conception, enfin bon là on peut rien y faire, hein. Faut bien se rappeler que le ST1 c'est un prototype,
Mais c'est vrai que si on se base uniquement sur les faits dans le jeu, le ST1 est quand même pas très puissant. Bon, après c'est vrai que j'ai fait que très peu de parties avec, hein, je suis uniquement, comment dire, avec les obus AP, j'ai pas encore débloqué la PCBC. Mais comme le canon est similaire au, canon du M26 et du M46 je crois, donc je crois qu'il y a une petite différence, mais là c'est le canon du M46 qui est équipé. Mais voilà, avec les obus APCBC, on peut pas perforer la tourelle du 2H. Sachant, pardon, que, je vous le rappelle, son BR est de 6-7. Donc c'est vrai qu'on fait pas trop le poids. Alors que le BR du M26, par exemple, lui, il a été réduit. Parce qu'en fin de compte, il s'était bien rendu compte que le M26 en 6-7 faisait pas trop le poids. Du coup, ils l'ont réduit en 6-3. Donc après, peut-être qu'avec un peu de chance, le ST1 va être réduit en 6-3. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Après, c'est vrai que... il faut toujours rester sur les japonais, mais cette fois-ci changer un petit peu de sujet au niveau des bugs. Donc j'ai constaté un bug assez embêtant avec le Chiri. Donc c'est un bug au niveau du rechargement. En fait, quand vous quand on spawn avec avec le Chiri et que vous tirez, vous savez, c'est un système de barillet, donc ça veut dire que vous avez 3 obus de charger à la suite. Et en fin de compte, entre par exemple, si on vous tue entre un chargement des différents obus, pas le rechargement quand vous avez plus d'obus, mais celui par exemple où on vous, par exemple, vous tirez un obus et l'adversaire vous remet un obus justement juste avant, et là vous allez vous prendre un shoot, ça va tuer le chargeur, et en fin de compte vous allez vouloir recharger, sauf qu'en fin de compte vous allez vous taper le rechargement long, donc c'est à dire comme si vous n'aviez plus d'obus. Donc en fin de compte, au lieu de recharger pendant peut-être 2-3 secondes, vous allez recharger pendant 30 secondes alors que vous avez encore un obus dans le barillet. Donc ça, je pense que c'est un bug, hein. Parce que c'est pas logique qu'on ait autant de temps. Normalement, on devrait avoir peut-être, allez, comme de base, entre chaque obus, le temps de rechargement est de 1 à 2 secondes. On devrait avoir le double, par exemple 4 secondes. Alors que là, on tape 30 secondes. Du coup, voilà, ça c'est un petit bug un petit peu embêtant. Après, sinon, j'avais pensé à un autre bug, là, mais j'arrive pas à me souvenir. Il y avait un autre bug assez embêtant, mais là, j'arrive pas à m'en rappeler. Mais voilà, donc sinon, les charges japonaises sont vraiment des... mon avis, voilà, je peux terminer cette vidéo avec mon avis. Je trouve que les charges AP sont vraiment des bons chars dans l'ensemble. Jusqu'à maintenant, en tier 3 et 2, ils se débrouillent vraiment bien. Donc voilà, après c'est vrai que le point faible reste toujours le blindage. Souvent quand vous allez vous prendre un obus avec les chars japonais, vous allez souvent vous faire one shot. Hein, parce qu'en fin de compte, si je mets pause, par exemple, là je peux prendre un exemple sur le Chiri, et que je me mets en vue 1. Par exemple, si on vous met un obus dans la caisse, ici là, si on vous met un obus là, que ce soit un obus de 76 mm, un obus de 85 mm, un obus de 88 mm, vous avez énormément de chances de vous faire one shot. Donc déjà, si vous n'avez pas le LMS, vous avez logiquement votre conducteur et votre mitrailleur, plus votre tireur et votre chargeur qui partent. On a, non, c'est le tireur commandant, le chargeur est derrière si je ne me trompe pas. Mais donc voilà, vous perdez déjà vos 4 membres d'équipage, et si vous n'avez pas de chance, vous perdez en plus vos 5 membres d'équipage d'un coup, ou alors on vous chope les munitions, et donc du coup ça part directement sur un one shot. Voilà, donc ça c'est... c'est vraiment le seul point faible des chars japonais. Après, niveau conception, les obus sont vraiment bien placés dans les chars. Hein. C'est assez rare quand même de se faire one-shot dans les munitions, sauf évidemment pour le ST1, où les munitions sont très très mal placées. En fin de compte, les munitions dans le ST1 sont situées au niveau de la tourelle, comme j'ai dit juste avant, et elles sont, en fait, elles tournent avec la tourelle. Du coup, quand vous faites pivoter votre tourelle, il y a les munitions qui suivent. Et en fait, ça, c'est encore un gros point faible. Et du coup, voilà, c'est souvent un gros one-shot. Donc, mis à part ce char, pour l'instant, les missions étaient plutôt bien placées. Voilà, donc ça, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour les petits chars japonais. Sachant que, voilà, j'attends vous aussi votre avis dans les commentaires. Hein. Pourquoi pas, voilà, me donnez vous aussi votre avis. Sachant que je sais que certains n'ont pas acheté les packs, ils ont uniquement le tier 1, donc voilà, après c'est vrai que vous pouvez toujours donner votre avis sur le tier 1. Mais moi, comme j'avais pris le tier shotgun, c'est un tier que je n'ai pas trop joué. Hein. J'ai monté vite fait, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au tier 2. Et ah oui, voilà, ça y est, je me rappelle du dernier point faible des chars japonais. Donc là, c'est pas du tout un bug. Hein. Mais le premium, donc le Heavy Tank numéro 6, là, le Tiger premium des japonais. Pour moi, il y a un gros souci. On a un gros souci de BR. Qu'est-ce qui peut accompagner le Heavy Tank numéro 6? Donc il faut savoir qu'il a un BR de 5-7. On a le Chiri que je joue actuellement, le M4A3 de 76, et peut-être le Chito ou le Chinu, je me souviens plus c'est lequel des deux. Mais sachant que les trois chars que je viens de citer
ont un BR inférieur à 5-0 ou égal. Donc le Shiri c'est 5-0, le M4-3 c'est 5-0 et le Chinu c'est 4-3 je crois. Et là on a le Living Tank qui est en BR 5-7. Donc forcément on tombe contre du Tiger 2P, voire des fois du char beaucoup plus lourd, hein, du 2H, etc. Voilà, donc là ça reste un petit peu problématique. Mais voilà, donc ça c'était un petit point faible. Après voilà, pour ceux qui n'ont pas acheté le premium, ça peu importe pour eux. Mais voilà, il y avait un petit trou au niveau du BR, donc voilà, c'était un petit peu embêtant. Mais c'est vrai qu'il faut bien se rappeler que le Tiger, en fin de compte, c'est un Tiger E. Et donc du coup forcément ils peuvent pas le descendre de BR, parce que sinon il y aurait plus que ce soit un Tiger, hein. Donc voilà, après, d'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit un Tiger E. Je dis peut-être une bêtise là. J'ai un doute là pour le coup. Mais il me semble que oui, c'est un Tiger E. Mais voilà, sachant qu'un BR de 5-7 avec tous les chars qui peuvent l'accompagner, c'est un petit peu trop élevé. Du coup pour l'instant, je me suis pas trop servi du Heavy Tank. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour rechercher le Tier 4. Sachant que je suis resté avec le Chiri, le M4, etc. Donc du coup ça met un peu moins de temps. Mais sinon, si je veux jouer le Heavy Tank, je le joue tout seul, hein. C'est-à-dire que je joue qu'avec un seul char. Du coup des fois on fait des grosses parties facilement. Mais des fois aussi on se fait one shot et du coup c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc ça c'était la première partie de mon avis sur les chars japonais. Donc comme vous pouvez constater, je suis arrivé. Voilà, j'arrivais pas à ouvrir l'onglet recherche. Donc je suis arrivé au ST-A2, là je suis en train de le rechercher. Et j'ai joué un tout petit peu avec le ST-1. Et sinon j'ai testé la plupart des véhicules dans l'ensemble. Même l'anti-aérienne que d'habitude je ne joue habituellement pas. La Soki est quand même assez intéressante. Mais voilà, des fois je comprends pas, des fois les obus ils passent nickel, et des fois ça passe pas. Sachant que je joue les obus HE pour les DCA. Enfin, quand je parle des obus, c'est contre les avions, évidemment. Des fois je bombarde un avion, ça le tue en 2-3 coups, et des fois, bah, ça le tue pas du tout, donc voilà. Donc après, je sais pas trop quelle mission, s'il faut préférer les AP ou plutôt les HE. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos réponses dans les commentaires, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.